La République démocratique du Congo sera bientôt très certainement le pays le plus peuplé d'Afrique et donc par conséquence l'un des pays les plus peuplés au monde. Et si ça vous choque d'entendre ça, alors asseyez-vous confortablement et parlons-en tous ensemble. Pourquoi la RDC va devenir le pays le plus peuplé d'Afrique? Alors avant de se projeter dans le futur, ce qu'il va d'abord falloir faire, c'est évidemment de jeter un œil sur le passé. Plus précisément dans les années 1950, à peine 10 ans avant les indépendances. Et à cette période-là, on estime que la République démocratique du Congo compte un peu plus de 10 millions d'habitants. La répartition de la population, elle est assez inégalitaire, hein, évidemment. Et comme dans tous les pays, les grandes villes telles que Lubumbashi, Mbujimayi ou alors Kinshasa, hein, évidemment la capitale, grâce à l'appel d'air économique qu'elles génèrent, sont les endroits les plus peuplés du pays. On peut néanmoins constater que la situation démographique évolue plutôt bien.